Et bonjour mes petites truites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est le matin ici, vous voyez, encore le petit peignoir, tête dans le cul. On décolle pour Los Angeles et on fait les dernières petites préparations. Le réveil, les amis, c'était quand même quelque chose. Personne n'était prêt. Personne n'était prêt. Ah, on n'était pas prêt du tout. Non. Le café fait du bien? Ouais, ça va, bah, putain, il est nécessaire. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps, on va se casser tout de suite. Les amis, ça y est, on vient d'arriver à Los Angeles, on est dans le petit bus au calme, toujours au fond dans le bus. On se met toujours au fond et là ce qu'on va faire c'est aller chercher une petite voiture au KLM avec mon petit poteau. Coucou mes truites, vous voyez ma gueule, je suis explosé. La journée arrive à sa fin. On a énormément galéré à la base, on devait dormir dans une petite villa, mais on a rencontré des soucis avec la propriétaire de la villa. Du coup, on va avoir une nouvelle villa demain et cette nuit, on est dans un hôtel. Regardez-moi la gueule de la chambre, incroyable. Bonjour les amis, on est en direct de Santa Monica, on est en compagnie d'un petit youtubeur, Fidiel, c'est ça? Putain, t'es musclé quand même. Et plus petit. Il y a du biceps. Ah ouais, ouais. Un peu plus petit, il y a du biceps. On va aller prendre un bucket. Est-ce que un bucket de quoi? Un bucket de quoi? Pas au KFC. Bien, rien, c'est bon. C'est le meilleur jeu du monde, on a pris une dizaine de buckets avec Psycho. Ah putain. Faut qu'il rentre net en fait, ouais, le truc. Sinon laisse tomber. Ah, il y en a, il s'est énervé. Regarde les petits comment ils s'énervent. Yanis, regarde les petits comment ils sont déterres. Regarde-les. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il jette tout par terre. Frère, arrête. Les V-Bucks. Oh putain. Do it. C'est le dernier. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, les gars. N'y allez pas, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ouais, bah ouais, c'est bien là. Tac, 834. Allez, let's go. Oh Yacine. Bien ou quoi? Non. Comment c'était le trajet? Trop bien. Bien ou quoi? Bah ouais, tranquille. Tranquille. Bon alors la casa. Mais ouais putain. T'as eu le délire ou quoi? C'est vraiment ici? Non mais c'est pas possible mec. Si si, je l'ai acheté genre 130 000 V-Bucks à peu près. Pas très cher hein. 130 000 V-Bucks, c'est cool, attends. Parce que je t'entends pas très bien là. 130 000 V. 130 000 V-Bucks ouais. Pas très cher au final. Ah ouais. Cette villa, il y a déjà pas mal de potes qui sont là, on est à Los Angeles pour le 3. Parce que je te propose, on va aller visiter. Ouais, carrément. Ce soir, il y a partie royale, hein. Soirée Fortnite, t'es arrivé pile à temps. Attention, petite visite, 3, 2, 1. T'as déjà visité une villa d'ailleurs? Non, première fois là. Ok, bon, on va faire visiter ça. C'est parti. C'est parti. Petite entrée. Alors là, c'est mon petit studio. Petit studio des familles, on a un petit bureau en bois de chêne. Très très sympa. La petite chaise, bien évidemment.
DxRacer, mais DxRacer Napoléon. Après le bureau, on va enchaîner avec le moyen de locomotion, parce que à Los Angeles, le bus, il n'y a pas. Le métro, il n'y a pas, ou c'est très très rare. Il nous faut du coup des voitures, et c'est surtout très très gros Los Angeles. Ça fait combien de fois Paris déjà? Trois fois Paris. Ça rigole zéro. Deux belles voitures américaines. Nissan, c'est américain, ouais. Ouais, c'est américain. C'est pur américain, on est là. Petit garage américain, ouais. On est clairement sur un garage américain avec deux voitures. Et moi, c'est celle de gauche. Le moyen de locomotion, c'est cool, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la villa. Let's go. Petite entrée principale. Éclairage. Hop. Plutôt sympa. Ça rigole zéro. La cave à vin pour les alcooliques. Est-ce que tu bois un peu d'alcool, toi, Yanis? Ouais, carrément, j'adore le vin. T'adores le vin? Ouais. Bah, viens, c'est parti. Tu veux quoi? Alors, moi, je suis pas très vin pour le coup. Je suis pas très alcool. Apothic Red Wine Malt Blend. Je l'avais acheté chez Nicolas. Je sais pas si tu vois Nicolas, ceux qui vendent les bouteilles de vin et tout. Ouais. Pas loin, là, dans le coin. Ouais, parce qu'il y en a même à Los Angeles, il faut savoir. Donc, plutôt pas mal. On enchaîne la petite visite. Espace canapé, espace détente pour se détendre la merguez. Canapé en velours soie, je sais pas trop. J'ai acheté chez un petit chinois, mais du lourd. Oh, confortable. Petit siège et bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a du rangement à faire, c'est le bordel un peu. Bonjour. Comment ça? Oh, on se calme. Il était chez lui, là. Donc, petit youtubeur Minecraft, vous êtes Aurélien Sama. Sama, comme Sumo. Mais c'est Sama. Petit belge, mangeur de frites. Petit plan cuisine. T'as mangé ou pas? Faut que tu nous fasses à manger là après. Hein. Je commence à avoir la dalle. Donc ça, c'est ma petite cuisine. Quand je reçois des invités et autres, c'est pas mal. Ce qui est vraiment cool, quand t'as plein d'invités, que t'as plus de place où dormir, tu mets un petit matelas ici. Et tu dors nickel. Vraiment, tu dors nickel. Alors c'est un peu le bordel, on prépare une petite soirée ce soir pour fêter ça. Et attention, les amis, là on arrive sur le plus grand frigo que j'ai jamais vu. Hop. Première partie. On peut en caler 3D comme moi là-dedans. Ou je sais pas combien de Kenny on peut mettre là-dedans, mais on peut en mettre pas mal. Hein. On continue la petite visite. J'ai d'ailleurs très très hâte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que t'as envie de savoir ce qu'il y a dedans? Bah, tu le sauras prochainement dans une vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. La douche, on s'en fout. Je vous montrerai une autre douche plus sympa. Tac, une chambre ici. On a le petit frigiel qui dort. Ma chambre que j'ai prêtée dernièrement. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Petite suite royale, j'ai pas fait le lit, petite télé, petite cheminée, le tapis bien évidemment, mais surtout, on a bien évidemment un dressing. Donc pareil, quand t'as trop d'invités, tu peux en faire coucher un là, par terre, partout, on peut être 500 dans cette maison. Aucun. Je pense même qu'on peut mettre tous les abonnés dans cette villa. Voilà, dressing pour ranger les vêtements, incroyable. Incroyable. Ma petite douche, enfin une petite piscine, petite baignoire et une douche. C'est une douche, ça? Petite douche. On peut mettre une équipe de foot dedans. Clairement, il y a un jet d'eau là, deux jets d'eau, trois jets d'eau, j'ai ma sang au top. C'est un spa, en fait, le truc, c'est même plus une douche. Et bien évidemment, qui dit suite dit balcon. Balcon, les gars. Petit balcon des familles, pas piqué des hannetons, avec une très très belle vue. Oh là là, il y a même des amoureux. Que c'est mignon. Regardez-moi cette vue. C'est pas beau? C'est bon, on a porno, Paris. Ah, mais... Vous n'avez rien entendu. Là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un roof top. C'est ça, hein? Je l'ai bien dit ou pas? À l'américaine. Oh là là là, les gars, quand je vous ai dit que j'ai travaillé mon américain comme jamais. Petit rooftop des familles pour faire son sport. Ces petits doubles dabs, un peu ce que tu veux, mais vraiment bien et surtout pour contempler un petit peu mes amis qui ont acheté des petites villas un peu comme moi. C'est vrai que j'aurais pu me mettre un petit peu plus haut. Et du coup, voilà pour le petit rooftop. Alors les amis, voici une télécommande magique qui me permet de faire plein de choses dans la piscine. Voilà les gars, c'est bon, c'est setup magnifique. Vous avez vu comment je suis un génie? Bonjour messieurs, bienvenue à la villa. Vous êtes bien ici? Très bien. Vous dites si vous avez faim, il y a Aurélien, il vous fait à manger direct. Il n'y a pas de mots, pas de mots, magnifique, donc voilà. La petite piscine. Alors, les plans à la gueule. Le jacuzzi. Et voilà pour la visite de cette petite villa. Du coup, voilà pour le jardin. On a fait un petit peu le tour de cette villa. J'espère que vous avez kiffé. On a vu le plus important. Climatisation actuellement à 76 degrés. Pourquoi c'est 76? 76 degrés. Bah, il y a 76 degrés là. Fahrenheit. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est des Fahrenheit. Faut diviser par... 1, quelque chose. 1, quelque chose. En gros, là, on est bien. Attends, ça, c'est bon. Je sais pas. C'est bon, ils savent pas. Tu coupes. Ils voient rien.
Voilà, vous avez compris les gars. Vive les Fahrenheit, vive les States, vive la villa. On va à la partie royale, on va emmener nos beaux petits sacs Fortnite. Let's go. Et ça y est mes petites tweets, on y est, la partie royale organisée par Fortnite. Terminé et tout. On a des goodies. Bon les gars, soirée incroyable. Les goodies, mais spoil pas, je vais faire une vidéo pack opening. Envoie ça. Là je le garde. On se retrouve bientôt, salut les gars.